Salam alaikum, bonsoir on les Four Car Owner from Tanger. Un spécial bien sûr coucou aux personnes à nos clients à Tanger. Donc aujourd'hui on est sur une Skoda, on vient d'effectuer le coding suivant. Donc c'est une Kodiaq pour vous dire. Donc on a commencé par ça, bien sûr. Donc on a fait une autre option, ce qu'on appelle le off-road menu. On vient de l'activer. Sur le braquage, angle de braquage, latitude, voilà, voir. Latitude, et bien sûr, on a aussi la possibilité de voir la boussole, la température d'huile et la température de liquide de refroidissement. Donc, on a activé aussi une autre option. Donc, je vais vous montrer tout de suite. C'est hyper cool. C'est-à-dire que tu peux voir, bien sûr. Les clignotants ils deviennent comme ça, sous cette forme, donc c'est plus cool. Avec les LED et tout, on a activé aussi le Scandinav DRL. On a activé aussi d'autres options, je vais vous montrer tout de suite. Donc au niveau du menu car, donc on a ajouté la possibilité de carrément contrôler les feux de jour. Donc, voilà, donc je vais mettre sur 0. Vous pouvez voir les feux de jour, ils sont allumés. Là, on vient d'ajouter ça. Donc, éclairage de jour. Donc, une fois j'appuie dessus, c'est décoché. Donc, il n'y a plus de feux de jour. On a aussi ajouté la confirmation acoustique. Donc, comme je vais vous montrer. Donc, une fois sur le menu d'ouverture et aussi de fermeture. Donc, on a la confirmation de verrouillage acoustique. Donc, là. Je vais éteindre la voiture, je vais fermer comme un grand. Et voilà, il y a le petit bip. Voilà, pour l'ouverture et pour la fermeture aussi. Et on a aussi activé l'alarme, je vais encore la vérifier. Donc je vais vérifier l'alarme si elle est activée ou pas, parce que des fois dans des versants ça s'active, dans d'autres non. Mais puisqu'on a la protection volumétrique sur le... voilà, donc sur l'écran qu'on a vu tout à l'heure, donc je présume que ça s'est activé. Donc j'attends quelques secondes, je vais essayer d'ouvrir bien sûr la voiture depuis l'intérieur et voir si ça va se sonner ou pas. Donc 1, 2 et 3, ça s'ouvre pas, donc ça veut dire que ça n'a pas été activé. Bon, c'est le tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente soirée et je repasse le coucou à nos clients. Ah oui, j'ai oublié, on a fait aussi une autre option. Donc à part le mirror dip, je ne sais pas si vous allez la voir ou pas, mais voilà, donc si je mets le marche arrière comme ça, donc le truc côté passager, c'est-à-dire le miroir côté passager, il se met, il s'incline pour donner plus de visibilité au conducteur. Et voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée depuis Tanger et ciao ciao.